D'éclaircir un peu sur l'aspect de la musique afro-péruvienne, sur la musique des afro-descendants au Pérou, pour expliquer de façon simple. Enfin, il y a beaucoup de définitions en ce qui est la musique afro-péruvienne et en ce qui est la musique créole ou criolla péruvienne. Pour expliquer de façon simple, on peut dire que la musique criolla, c'est un genre très vaste, en fait très grand, et à l'intérieur de ce genre-là, il y a une autre musique représentative des afro-descendants, qui est la musique afro-péruvienne, avec ses caractéristiques, ses instruments et ses genres musicaux. Si je reprends Manuel Acostorreda, lui, il préfère substituer le terme de chanson de la côte, parce qu'il faut savoir que la chanson criolla, la musique criolla, est une musique qui se produit dans la côte péruvienne. Donc, ça, d'après Acostorreda, le compositeur, la musique criolla ça devrait s'appeler plutôt musique de la côte. Et donc c'est une musique qui est, sa caractéristique, c'est d'être d'origine hispanique et aussi africaine dans un pays andin comme le Pérou, avec ses instruments, vous avez déjà vu dans le film, des instruments caractéristiques, je reprends Rafael Santa Cruz, la trilogie en fait des instruments, le cajon, qui va être joué par Jean-Marc, la quijada et la cajita, et entre eux, ces instruments percussifs peuvent se combiner. On va faire juste une courte démonstration, après on va passer, on va continuer. Thank you.
on va continuer avec un genre musical. On va pas faire le panalillo, mais je vous explique ce que c'était. Le panalillo, c'était un genre musical qui s'associe un peu à la banera cubaine. C'est un genre musical afro-péruvien qui se joue de façon très lente et dans le thème, en général, c'était lié à l'esclavage et à la souffrance en fait, des esclaves noirs quand ils travaillaient dans les champs. Et nous, ce qu'on va faire, il y a une chanson, en fait, je pense, qui a été signalée, c'était À la Moline. Cette chanson-là, on ne va pas le faire, parce qu'il y a le temps. On va passer au plégon. On va jouer les plégones. Les plégones, c'est un genre musical qui est inspiré dans les chants populaires des vendeurs ambulants dans la Lima vice-royale. On m'a demandé de vous éclaircir sur le terme vice-royal. En fait, le vice-roi, dans la période coloniale, c'était le représentant du roi d'Espagne. Tout simplement, c'était le représentant le plus haut du roi d'Espagne. Et donc, pendant cette période-là, pendant la période vice-royale, les pregoneros chantaient en fait, pour vendre leurs produits. Et là, on va chanter la picantera, qui veut dire vendeur de piment. En fait, c'est une dame qui s'appelait Leonor dans la chanson et qui vendait des plats assez épicés, certains à base de piment, pas toujours, mais quelques-uns étaient à base de piment. Qui a donc dans la composition, dans la reprise, dans le sens de Victoria Santa Cruz. Bueno, la picantera. Aquí está. Con su rico picante traigo charqui, camarones en ceviche, traigo mote pelado, todo bien sazonado y yo soy Leonor y no hay nadie que guise como yo. Por donde voy hay muchas picanteras, pero ninguna como Leonor. Tan presumida es, no es que yo sea negra presumida, es que se comenta por donde voy hay muchas picanteras, pero ninguna como Leonor. Como la Leonor, como la ceviche de pescado, todo lo que había se ha terminado. Es un gran negocio el picante, volveré la semana entrante. Es un gran negocio el picante, el picante, el picante, el rico picante, el picante, el picante, el picante, el rico picante. Y ahora también es mi tía. Ahora viene un vals de Chabuca Grande que se llama Fina Estampa. Si queréis, cante con nosotros. Vals. ¿Qué es el vals? Pregunta César. Pues digamos, dejemos lo que lo. Le vals péruvien est un genre, est un des genres en fait de la musique criolla. On va dire que c'est le genre majeur de la musique criolla et est inspiré des valses viennoises, des jotas aragonaises, mazurcas et zarzuelas.
En quelque sorte, c'est une acclimatation de la valse viennoise. Les grandes orchestres de valse, elles sont réduites à une orchestre plus petite, dans laquelle il y a la guitare, le chant et le cajon. Et les danses, les amples mouvements en fait, des valses qui vont être réduits à des mouvements plus courts, plus aptes aux demeures réduites en fait, dans lesquelles habitaient les gens qui pratiquaient ce genre musical. Donc ici, une valse chabucaranda qui s'appelle Finestampa. De luna de sol, tendida como una cinta con sus lazos de arrebol, arrebol de los geranios y con risas con rubor, arrebol de los cabellos y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cucuri se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda su fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermosa ni más luciera. Caballero, y en su andaranda de lucera será la andaranda. Te llevas a los aguales y a los patios encantados, te llevas a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se amuye con tafetanes bordados, tacón de chapín de cera y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de pluma del sol, viene a recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su andaranda relucera será la andaranda. Oh,
Thank you.
Celui-ci, c'est un lindo de Andrés Soto. Familia de la época.
¡Venga! Vamos con el ritmo del tambor. Negro tiene que ser. Para. Este tema tiene un coro. Ustedes tienen que cantar conmigo. Pues yo negro tiene que ser. ¿Vale? Para gozar con el ritmo del tambor, negro tiene que ser libre como un cimarrón. Negro tiene que ser. ¿Vos avez compris? Bien. On est parti. Et utilisez les mains aussi. Hein?
Là, on va passer à la toute dernière partie du récital avec des festejos. En fait, les festejos, c'est un genre dont la chorégraphie a été créée par un artiste musicien qui s'appelle Porfirio Vázquez, qui était en quelque sorte en fait, le patriarche de la musique afro-péruvienne. On va peut-être chanter Nome Cumbén, qui était à la base l'auteur de cette composition, s'est inspiré d'un jeu d'enfant dans lequel, avec ses frères et sœurs, ils imaginaient s'imaginaient entre des prétendants, en fait, qui pourraient être des charpentiers ou autres professionnels. Vous avez compris, non mais combien. Et donc, le refrain c'est pareil. Dès que vous pigez le refrain, vous le chantez. Thank you.
Le dije a papá, le dije a papá, le dije a papá, le dije a papá.
Pamelita, elle est une grande chanteuse. Elle aurait pu être à ma place. Pamela Contreras, Caroline. Jean-Marc Pierrement, le français, qui joue très bien la musique caroline. C'est ça, Santa Cruz, que vous avez déjà connu. Et moi, c'est Violeta. Violeta. Bueno, entonces les dejo la cálida y hermosa voz de Pamela. Alors, vous êtes tous étudiants d'espagnol? Sûr. Bon, et si vous n'êtes pas, vous allez devenir. C'est pas grave. Bon, alors, c'est juste une chanson traditionnelle. Et en fait, c'est un jeu de mémoire. Vous allez vous rappeler de ce que je vais vous dire. Vous allez me faire un festejo turismo, por favor, maestro. Alors. Je vais vous dire quelque chose et vous allez me répondre. Hein. Donc je vais vous dire Sancudito me picó et vous allez me répondre Salamanqueja. Ça c'est bien, c'est un bon exercice pour les Français. Salamanqueja me mordió. D'accord? Allez, je vous dis Sancudito me picó, Salamanqueja me mordió. D'accord? Ok. On va commencer. Hein. Sancudito me picó, eso. Sancudito me picó, algo. Sancudito me picó, Sancudito me picó. Se fue bien. Alors, la cita. Malaya sé ese zancudo y vos le respondo. Malaya sea ese mosquito. ¿D'accord? A ver. Ahí. Malaya sea ese zancudo. Malaya sea ese mosquito. A ver, dale tempo. Malaya sea ese zancudo. Malaya. Malaya sea ese zancudo. Malaya sea ese zancudo. Malaya sea ese zancudo. El adarniense que me picó, y vos allez me respondre en la punta del corazón. ¿D'accord? Alors. Voilà, j'espère que je ne touche pas rien de. Que me picó en la punta del corazón. Que me picó en la punta del corazón. Allez, on commence. Ah, sí. Allez, vous vous rappelez. Sancudito me picó. ¿Y vos allez me dire? Ajá, muy bien. Yo di. Malaya sé ese zancudo. ¿Y vos allez me dire? Yo di. Que me picó. ¿Y vos allez me dire? C'est très bien. Alors, on commence. Salamanqueja me picó. Ah, c'est moi, hein? Sancudito me picó. Sancudito me picó. Sancudito me picó. Sancudito me picó. Malaya sea ese zancudo. Malaya sea ese zancudo. Malaya sea ese zancudo. Malaya sea ese zancudo.
me pico, que me pico. Que me pico, que me pico. Que me pico, que me pico. On le fait tout, hein, on le fait tout, comme si on avait répété 450 000 fois. Allez, a ver, dice. Sancudito me pico. Sancudito me pico. Sancudito me pico. Sancudito me pico. Malaya se ese sancudo. Malaya se ese sancudo. Malaya se ese sancudo. Malaya se ese sancudo. Que me pico, que me pico. 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 Merci beaucoup. Ça, c'est la musique qui vient de la côte du Pérou. C'est une chanson traditionnelle. Vous avez très, très, très bien chanté. Bravo. Et merci pour d'être ici en train d'apprendre quelque chose de la culture hispano-americana. Merci beaucoup.